soirée chaleur ça sous champ de mars en particulier hier soir plusieurs stands boulés pendant match policier yo organisateur mouvement ça pas revendiqué incident ça qui pour yo c'est infiltration monde qui voulait discréditer mouvement yo a yo estimé qui juste mais image nous te ouais devant direction générale police là dans Pétionville hier pas bon du tout pour image institution en tout cas policier yo qui entendent continuer mouvement yo a jusqu'à ce que revendication yo satisfait n'a retourné sous mouvement marche ça ailleurs guerrier côté policier qui a fait plaidoyer pour création syndicat police là pas décidé fait bac malgré pression inspection générale police nationale on a pas retourné sous journée ailleurs en marche manifestation ça sorti carrefour aéroport pour arriver devant DGPNH là mais en manifestation qui était fini peu tard hein dans zone chaud mars là et c'est là déblosa est après le pété n'a pas gagné réaction yo tout à l'heure pour policier ça yo SPNH là déjà existé yo déjà marché en fois encore journée lundi pour sortir carrefour aéroport pour arriver devant direction générale PNH dans Pétionville. Revendication n'a pas changé, augmentation salaire, puis bon conditions de travail avec accompagnement social, policiers protestataires qui menaçaient boycotter carnaval. C'est déclaration qui ont été faites pendant un marche là. Donc, il y a des gens qui t'a dit son déclaration qui vient, c'était une menace qui vient concrétiser avec ça qui passait short bas là côté majorité stand qui était en construction yo boulé ça fait hier côté te gagné des moun qui te gagné maillot rouge sous yo qui était dans marche policier yo que monde capable remarquer dans zone short bas là Johnny Ferdinand était sur place regardez là c'est pas ni accrochage ni déblousaille c'est plutôt policier qui a tiré en l'air une façon pour courir ensemble revendication yo il fait 10h40 nous devant building qui loge direction générale police là dans rue d'Aguin dans Pétionville en pile là yo avec maillot rouge qui gagne logo syndicat certains avec uniforme pendant 4 nan main char musical ça gagne plus passé 30 minutes depuis dernier bout de match là atterri dans espace là Après environ une heure de temps à marcher sur Ticafoua au port pour arriver à Pétionville, policiers ont arrivé déposer un document dans la direction générale là. Là-dedans, il y a pour Pétion 10 raisons qu'ils ont évoquées qui, d'après eux, justifient l'existence syndicat dans la police là. Puis, il faut une raison ça yo pour ne pas dire tout, il y a pour eux à condition de travail, agent policier. 1. Pour faire des doléances à l'évaluation de tout policier. 2. Pour défendre tout policier sans particulier, quel que soit le cas de vie. Coordonnatrice syndicat police nationale là SPNH souligné yo pas créé strictissa pour venir dans laisser frapper avec policier et puis gros commandement d'après Yannick Joseph qui pas suspendre cité article 35.3 maman loi PIA SPNH la paré pour travail avec état major pour aider identifier et puis résoudre différents problèmes institution a connaît depuis plusieurs décennies Inspection générale pas dormi revivre un syndicat en dans la police là. Pourtant policier yo même qui d'ailleurs mouvement ça pas tendez yo pas ouais syndicalier. Détermination dans mouvement d'après yo obligé faire au commandement tendez la raison. Inspection générale pas faire non ni craponner
ni ralenti dans travail dans revendication n'a mandé yo. Inspection générale a fait travail pâle. Nous même revendication nous allons juste d'après constitution, ça veut dire c'est sous l'autre constitution avec convention internationale yo, c'est sous li nous essayer prendre béton là. IGPNH là gagne tout sens li dans la police là. Policier ou pas gagne doute sur ça. Cependant, yo dit yo regrette estrictis ça efficace seulement les pour prendre sanction contre policiers. Mais policiers cap combattre avec ça les pis crabe, ça les poitrinaire cap travail avec zongyo, commissariat tankou sa van, policier cap mouri tankou poule, semblé inspection générale pas au courant sin doué quoi policier. Non la police ça, trop injustice. Comment on prend la police, nous on avocat, nous on moun cap plein de cause policier yo. Les policiers ont un problème. Yo fait ça, yo veulent pas moun ki pou défendre yo, pas moun ki pou défendre terre yo. Non parler de l'inspection générale. Ça c'est l'inspection générale. Il n'y a pas de seulement pour la sanction des policiers. L'inspection générale là, il doit avoir conditions policières de travail. Si nous marchons dans le commissariat en tant que journaliste, nous pouvons avoir un pacte pour les policiers à fonctionner. État policier, uniforme nous et nous faisons. Policiers protestataires ont rappelé tout bagaille c'est yon dans le pays. Élections, manifestations, tremblement de terre, insécurité, investissement président, sécurité chef, même pour mener ménage chef dans le studio avec le marché, c'est yon. En tout cas, pour le carnaval, là, les naptans de yon, institutions n'ont pas besoin de compter sur yon. Si un n'y a pas dit à la revendication, c'est même ça même. Moi, je dis sur les zones, moi, c'est pas bien policier. Qui a plongé deux ou trois dans le carnaval, m'a écrit la pomme, m'a mis la gelade, m'a dit tout le monde. Nous ne pouvons pas risquer de parce que nous sommes plus. Pour troisième match, ça, policiers ont montré qu'ils déterminés pour être directeur général là, pour des balles d'oléance en personne. Dans un niveau, côté ont levé rideau métallique entrée principale là, responsable ont fait descendre depuis dans iné. Ils ont fait tentative pour te rentrer. Malheureusement, information ont fait quoi déjà à partir espace là. Toutefois, quelques cas de sortis pour parler à qui ils ont pas décidé de prendre parole. Cabinet c'est pas là, à mon poste. Cabinet c'est pas là, à mon poste. Cabinet c'est pas là. Dans un moment côté insécurité a taillé banda dans Port-au-Prince tant qu'on dans l'autre côté dans pays là la police là sous gros tension initiateur syndicat ou pas entendre fait bac au commandement même inspection générale là en particulier clair sous position en plus l'observateur a visé rete quoi si autorité ou pas joignent un pi bon formule pour résoudre problème ça après pression dans PNH là pita capitrice pour institution qui donc nous ca comprendre rapide vite solution à problème insécurité dans pays là. Pas pour demain. Et dans le bas, 72 ans, c'est toi jusqu'à les vues pour réagir. Vite, c'est pour nous appeler dans l'arrière. Et dans le point de vue de l'eau, nous avons fait un bel match de bonjour pour atterrir le passeport. Nous allons visiter ce match de bonjour. Je suis nous en barrière. Johnny Ferdinand, Caraïbe FM. Voilà, c'est pour troisième fois policiers au marché dans la capitale là pour exiger respect droit yo gagnent pour créer propre syndicat yo un marché qui finit dans violence tant que gens nous vivent li à partir ça passé sous champ de masse là en pile réaction guerrier en pile réaction sous masse ça mais surtout sous droit ou pas policiers au gagnent pour créer syndicat dans la police là. Et pour raison ça n'a bien pour nous parler tout à l'heure avec Antonal Mortimer avec maître Samuel Madistin que nous pourquoi capable arriver joindre. N'a bien tout pour nous parler avec chef CSPN Jean-Michel Lapin c'est prêt tout à l'heure mais entre-temps sous bicentenaire pas gain trop amélioration dans climat insécurité en pile cartouche te continue à tirer ça qui t'est provoqué un vent panique à l'entrée sud capitale là. Aïe. Ouais, situation qui continue à affecter secteur transport en commun ça qui pousser chauffeur dénoncer lenteur autorité face à climat, insécurité capta et banda dans la région métropolitaine Port-au-Prince. Jean-Georges Blaise. Jusqu'à présent, pour qu'on gagne la paix dans la rentrée sud-capitale, principalement, coin bicentenaire qui toujours été une zone risquée pour quel que soit le monde qui a fréquenté ce circuit. Pour journée, il y a une panique à cause de la rafale cartouche qui a mis le monde en déroute depuis le finissement de la semaine. Qui donc, en rien pour qu'on clé, dans une zone ça qui semblait à printemps, pour reprendre visage d'antan. Chauffeur propriétaire machine qui était dans le courri, bouquet dénoncé, ça qui a passé dans le coin bicentenaire, qui toujours en bas contrôle, nèg exam. Chaque jour, on tire, hier, mon courri là, dans le courri. J'étais allé à la, mon courri encore. Vous avez un courri? Oui. Ça qui a passé, c'était tiré? Oui, bien tiré. Et ça c'est là bloqué là bloqué tout là. Imagine pas passer en bas là de pas bloqué là. Et malgré déploiement force spécialisée dans la rue, moun yo semblé poukou ka à l'aise. Côté gen doute sous volonté à capacité responsable pire au niveau dans l'état pour ta mettre l'ordre dans des ordres. Bicentenaire y aurait les var, je vous dis toujours blanche kou coton. Sans qu'on ait qu'il la police a capable reprendre contrôle espace là. Si,
que spécialisé de là en permanence. C'est bon pour nous, nous t'a bon espoir là chaque nous et nous que nous pas sauter mais pas gagner. Non, on y fait pour deux jours après nous t'ouais mais aujourd'hui là on passe une barre encore. Depuis côté nous recharger problème en bas. Camionnette Gonaïve t'est contre charger en bas. Chauffeur motocyclette t'est contre en bas. Mais depuis longtemps nous pas ouais monde ça on quantit nous voyons camionnette charger nous pas chauffeur motocyclette camper en bas qui venir en bas blanche. Comme on dit renforcer présence la police dans la ria. Patadouille en showbiz. D'après citoyen Sayo qui fait qu'on est des autres capra poursuivre dans rentrée sud capitale là, pas sans conséquence sur activité. Principalement, secteur transport en commun, yo dit qu'a continuer prendre coup. D'après yo, faut que PNH la Takembe yon présence net aller tout sous bicentenaire. Sécurité nous besoin pour qu'a gagner, pour pays a gagner moyen stabilité pour nous travailler, pour tout ce travail là. Là n'a descendre pour à l'aise. Sans qu'elle saute. Yo dit président, il est là pour assurer la bonne marche de l'institution. Faut président bay sécurité dans pays parce que nous voulons à l'aise parce que nous même chauffer. C'est là pour nous chercher la vie. Mais si nous pas gagner sécurité, est-ce qu'on pas monter là, nous pas pas venir travailler? Mais faut nous une sécurité pour nous travailler. En attendant, la police dit ça qu'a fait pour prendre contrôle situation. Plusieurs mouvements planté piquette déjà organisés dans rentrée sud capitale là côté habitant 3e circonscription Port-au-Prince en particulier a fait pression pour réclamer la paix et sécurité dans 3e là. Jean-Georges Blaise, Caraïbes FM. Zaka kidnapping yo Blaise qui pas suspend multiplié dans zone métropolitaine Port-au-Prince là dirigeant ensemble organisation opposition yo même pas caché quelque assé yo di yo gain face à que situation ça oui d'après responsable ensemble organisation opposition femme yo c'est catégorie qui plus sa victime Zaka c'est là yo faut gagner bon genre disposition qui prend pour arriver croper phénomène ça qui prend chaque jour puis plus en dans pays d'après Abel Loriston responsable politique là toutefois continuer gagne doute sur doute quant à volonté réelle bon côté autorité pour ta mettre yon frein dans phénomène ça qui donc fok mobilisation ra poursuivre sans prendre souffle pour continuer dit assez exact kidnapping yo dans pays selon un dirigeant en opposition. Un reportage Jean-Paul Lundi. Yon dame qui a fait résistance pour yon pas kidnapper l'on de machine de votre mari petit li. Yon touye l'on de machine. Nous voyons l'image ça yo. Yon nouvelle qui coupe zantraï moun qui fait un pile kebat fok. Kidnapper yon pas gen aucun pitié. Pour yon même, citoyen yon c'est un coup tis oiseau, yon capable ten souf yon lè ou vle. Abel Loriston déplore le fait bandi yon prend plaisir pour yon humilier femme. Yo kidnappé militant politique là pas caché colèl bien des femmes yo kidnappé cap sorti non non et bien yo pas jeune cop non mais yo violé yo devant non derrière est-ce que population ka arrêté bois croisé devant phénomène ça nous même des dirigeants nous dit acte là yo zak qui révolté dirigeant ensemble organisation qui dans opposition mais numéro 2 exécutif là t'est annoncé pour croiser zak sa yo semblait pas rassurer Abel Loriston. Résultat, c'est ça qui intéresse. Premier ministre de facto a dit, faut que la police fouille toute machine, celle machine, corps diplomatique. Et bien, le même jour, vendredi, nous disons qu'on puisse garder kidnapping recensé en deux pays. Au moins, si nous disons vendredi, samedi, dimanche, t'es gué au moins aux améliorations des kidnappings. Mais depuis le même jour, il a commencé à kidnapper le monde. Abel Loriston estime rete bouche fermée, c'est pas une solution. Il a engagé pour dénoncer phénomène ça, qui tourne véritable cauchemar, moun qui dans toute couche société. Aujourd'hui, nous continuons à mobiliser, nous disons pas qu'à la caillou. Si nous pas parler de la caillou, et bien tout nous, tout fait. Aucun monde pas à l'abri. C'est peut-être ça, militant. Mande société a pour réveiller. Yon lot match pacifique programmé dans capitale là pour 17 trop à temps. Rendez-vous à, c'est pour commencement week-end Cap Vini là. Match contre kidnapping, match contre insécurité, contre impunité, contre corruption en deux pays. Tout le monde concerné, rendez-vous à peuple haïtien, c'est pour vendredi 21 février 2020 à 10h30. N'attendons nous sur place dans des salines non pour déraper gros match contre insécurité contre kidnapping en deux pays. C'est pas seulement pour dire non à Zak kidnapping. Militants veulent pour population
voyez un message clair bay pays qui dit aux ses amis Haïti. Faut que prenons la rue à premier tour pour montrer avec communauté internationale là pas gagner l'état de pays là. L'état démissionnaire, l'état pas gagner la régler pour nous. Depuis plusieurs jours la police renforce présence li dans divers coins dans pays là. Policiers ont fouillé toute machine privée excepté machine corps diplomatique yo. Yon présence qui semblait intimider kidnapper yo. Mais ça pas empêché citoyen yo gen kè yo sou biskèt chaque fois yo mette pied yo dans la rue parce que bandi yo toujours en bas paye personne pa konnen si yo décidé quitter métier a ou si ap tann police yo fatigué pour yo réparer tête yo. Jean-Paul Lundi, Caraïbe FM. Et Koulia, nous prenons dans la ville Gonaïve, ville côté la Pérez, là, les rivets, après capitale là, certaines villes, province, dans le pays, à compter, vin trouver ou dans situation, pour y'a qu'on ait même senti mak, moun kap vive dans capitale là, zak, braquage, vol, l'ennui, sans compter, bricatouche, kap chanté dans divers quartiers, presque, chaque soir, dans la cité de l'indépendance, la guerre, gros, la Pérez, d'Akaï, citoyen, dans quatrième ville pays, là. Pendant dernier moment, ça y est, en pile, moun, qui perd la fait transaction la banque à cause d'un braquage qui répétait en pile dans Santa Ville là et monde qui même rivé prend balle pendant bandi attaqué. Il y a un reportage avec Dielivens Jules correspondant permanent nous dans ville Gonaïve. Par rapport à braquage à Nabdil, après vaste mobilisation de gain, nous toujours dit ça c'est résultat pays local. Autorité concernée dans ville Gonaïve semble beaucoup qu'à trouver meilleure formule pour combattre cette insécurité qui passe suspendre répété dans ville là dernier moment ça yo. Vol de nuit, braquage, sans compter son cartouche qui a chanté dans divers quartiers presque chaque soir. Citoyen Gonaïve yo pas caché inquiétude yo face à cette situation ça. Nous même comme responsable organisation droits humains CREPDH, nous très inquiets par rapport à évolution ça dans communauté a. Nous constater gain un pile monde qui fait des actes de banditisme, des actes de braquage, gain monde tout qui peut continuer faire de bagarre qui société a pas d'accord reproché. Ça c'est résultat m'ta capable dire négligence, irresponsabilité et incapacité de nos dirigeants qui mènent nous dans la situation. Pendant le dernier moment, ça y est, un peu de monde qui a fait des transactions là-bas, rivé victime de Zak Brakaj dans la ville, Ganayo, qui même rivé blessé avec balle bandit. Commissaire gouvernement Gonaïve là sur Agazius a tenté rassurer population. Nous-mêmes nous déterminer pour que juridiction a gain l'ordre qui établi là-dedans. Et tout le monde connaît les nous dit l'ordre, la police connaît qui ça pour le faire. La police gain tout pouvoir depuis ces voleurs, depuis ces bandits, depuis ces qui gang et bien la police gain solution volée. Moi-même dit tout le monde de pouvoir gon zam nan moi la police, la gueule la tête mettez deux mots en l'air. Sinon nous-mêmes nous pas responsable la vie moun ça parce que bandi a nous pas quitter. Nous ne pouvons pas tolérer la bandit là. Nous voulons ville Gonaïve pour un monde qui a dormi à terre. J'ai été longtemps. L'important pour nous faire remarquer, depuis après dernière tentative d'évasion qui était faite dans la prison civile Gonaïve là, ça fait environ 4 mois. Autorité concernée ont pris une décision pour reconfigurer et puis mettre plus de sécurité dans l'espace là. Ça qui explique pour la prison civile Gonaïve là a été fermée. Selon information yo, situation ça entrave travail force l'audio qui gagne du mal pour exécuter mandat. Dia, on va constater au Gonaïve pas gain prison, pas gain côté si on mon enfreint la loi pour mettre li. Donc ça a poussé monsieur yo faire des actes de bandits parce que yo connaît pas gain côté pour mettre yo et arrêter yo à li difficile li pas capable. Dieu Livens, Jules Gonaïve, Caraïbe FM. Voilà pour situation dans ville Gonaïve, insécurité en fait déjà un moun yo peur à la banque la Pérez ça c'est moun dans capitale là qui t'est con ressenti mais depuis quelques jours là dans ville provinciaux moun yo on ti casper à la banque à cause braquage qui a fait sous yo le yap soti la banque. Est-ce que c'est même situation dans une ville tankou Jacques Mel côté carnaval là saute déroulé week-end qui saute passé à nous pour regarder ça avec Dieliven Jules c'est correspondant dans Gonaïve mais coulé à nous pour parler avec Eli Lorveus correspondant nous dans métropole sud-est PIA. Eli Lorveus bonjour yon situation nous ouais dans Gonaïve et qui montrait ville provinciaux de plus en plus il y avait une gagner insécurité là-dedans dans ville Jacques Melin nous très loin de réalité de l'événement Jules se décrit là. En fait bonjour Pierre Hunel, bonjour guerrier.
justement, nous connaissons la capitale là, qui a une connexion directe avec la ville provinciale. Et Jacques Mel, nous pas pral semaine ça ou bien et moi qui fini là yo pour dire nous non niveau qui mettait et Perez là et ta capable la caille chaque citoyen mais nous t'attend des collègues de l'Ivens qui parlait des braquages et ben braquage là nous capable dire et pour ça là nous pas joindre des cas mais non moi passé yo il y a divers monde dans population qui est toujours plein hein, par rapport à une zone yo kon braqué yo prend téléphone yo et même gagné yon monde avec madame ni qui était dans machine et yo était même qui était même gagné zam dans machine nan, ben gagné monde qui était braqué yo prend zam ça mais c'est situation qui était passé dans quelques jours qui passé ou bien mois maintenant semaine ça dans mois ça beaucoup gagné zaksayo qui recensé directement ça qui arrivé gagné monde qui peut-être pas dénoncé le tout mais et pour ça gagné Perez là il existait parce que gagné divers jeunes qui ont même appétit dans capitale là par rapport à ça qui a passé dans capitale là qui était Jacques Mel qui pas rentré dans Port-au-Prince pour aller dans université et ça montré même là avec Jacques Mel ça capable c'est pas Jacques Mel qui est victime même Perez là il existait la taille population hein. Mais Jacques Mel dans sa naturel la taille monio c'est une ville qui accueille monde et bien ça pas rester dans même niveau avec l'autre zone côté situation paraît il compte Perez prospératif mais nous capable dire il existait la taille population parce que yo même yo toujours yo n'a veillé sur l'autre par rapport yo connaît à n'importe moment capable d'une infiltration des monde qui sorti l'autre côté pour capable venir dans ville là capable mettre en situation la Perez. Donc cas et braquage au signaler nous là qui rivé dans la ville Jacques Mel, yo pas arrivé sous de monde cap saute la banque tant que Jean et Jolivin Gilles lui-même présenté situation pour qu'on naïve. Alors s'il est arrivé nous-mêmes et comme on cap travaille dans ça nous pas à 100% et vérifié mais dans pour braquage directement par gain mais que des monde qui plaignent et yo même ta mette le niveau pour dire est-ce que c'est pas monde qui pratique zak malfait parce que il est monde non qui arrivé joindre dans population qui parlait pendant à sortir la banque yo gagne l'argent et puis que des monde yo parler avec yo après les regarder dans valise yo loin c'est papier qui pas l'argent encore par rapport aux grandes sommes et puis les yo regarder yo vinn pas ou l'argent ça encore c'est pas des monde qui vient avec zam sou yo mais justement c'est des monde qui a parlé avec yo et puis yo te bon l'argent les yo regardé la caillou ou dimanche nous valise les rivé ou pas joindre l'argent ça mais c'est pas des monde qui ra les zam directement sur yo dans Jacmel ou même dans recensé si ça fait nous pourquoi et vérifier. Merci Dieu et merci Élie Lorveus n'a pas appelé aussi correspondant nous dans Jacmel guerrier nous t'aller fait comparaison ça pour montrer que situation qui a développé Gonaïve là il pas généralisé le sous reste PIA mais c'est un mauvais signal qui voyait leur en ville province tant coup bon Gonaïve et contrairement à l'autre ville il gagne histoire parler c'est une ville qui toujours gagné scène de violence et la dalle mais ensemble reste ville pays a été calme par rapport et à Port-au-Prince le en ville province y a rapporté une information qui gagne pour avec braquage sous monde cap sorti la banque c'est un mauvais signal qui lancé parce que les bonheur toujours pour éviter à ce que pays a dans toute intégralité le pas un pays qui gagne sécurité la dalle même gens à capitale là parce que Port-au-Prince hein, nous pas gagné et phénomène ça n'a vivre depuis quelque temps moun te kon ale et la banque sans peur sans crainte parce que moun qui te vive dans temps avant nous pas ta ka imaginer ça n'a vive là jodi a mais pourtant c'est en réalité et donc en réalité nous capable éviter à respecter ainsi gagne de disposition et qui prend et tant que gens nous wè ça dans Gonaïve et me croit que gain possibilité justement pour nous éviter ça si gagne disposition qui prend pour créer un climat de sécurité dans le pays. Voilà.
pour là nous allons retourner sur ça qui passé hier là et pourquoi pas parler en détail sur ça en pile qui a fait débat là qui c'est liberté syndicale droit de grève dans mi-temps la police nationale d'Haïti qui ça la loi dit. Mais avant nous aller dans qui ça la loi dit, on t'a même demandé à maître Samuel Madistin qui c'est une principale responsable fondation J'éclairé une organisation droit monio pour position yo du moins qui ça comment les comprendre ça qui passé hier là après journée manifestation policier yo qui t'a fini shot mars ça qu'incident ça côté gagné yon quantité stand en construction qui boulé et gagné tout en pile cartouche qui tiré devant direction générale PNH là hier. Maître Madistin, bonjour. Bonjour Gabriel. Bonjour Pierre Renel. Pierre Renel, bonjour à tous les auditeurs, à toutes les auditrices Radio Caraïbio. C'est un plaisir pour moi matin, pour moi avec nous. Oui. On dit avant de nous parler de liberté syndicale, droit de grève dans mitan la police nationale là qui ça la loi dit avec nous après le partager quelques éléments avec nous tout à l'heure, besoin gagner réaction nous dans niveau fondation J'éclairé sur incident hier là. Bon, n'a qu'à dire bon, si il y a deux gens pour comprendre ça qui arrivé hier. D'abord, c'est capable j'en situation générale pays hier autour grande insécurité galopante ou bien des actes de kidnapping qu'a commettre un peu partout tous les jours famille haïtienne yo qui a pas pauvri, c'est-à-dire que le monde paye un rançon jodi a vous libérer dans kidnapping. Des fois, c'est 25-30 ans de travail, et oui, que je prends, ou bien, c'est des têtes qu'il fait pour 25-30 ans à venir, pour le sauver. Donc, famille va pauvrir. En plus des actes de cruauté que bandits ont fait, sous mon occupé, le viol collectif, mon y a humilié, y a torturé, y a attaqué, y a tenté. Et puis, on sentit comme de rien n'était par une autorité qui prend ça en charge, on sentit frappé, qui touché par sa passion. C'est comme si la police en vacances, il va pas aller là, parce que la police dans le pays, on va entrer au commandement, t'as gagné un gouvernement. Et puis, on nous gardait, on prend l'argent à dépenser pour festivité carnaval. Donc, c'est choquant. Donc, ça a choqué mon yo. Ouais. Donc, il est capable de gagner en réaction de colère de la part de la population. Pas parce que pas les carnavals, c'est maintenant. Mais le contexte là et l'inaction de l'État, l'inaction du gouvernement, l'inaction des forces de police par rapport aux actes de cruauté qu'a commis sous population. Hein. Donc ça a choqué mon yo, ça a énervé yo, et yo passé colère yo sous ça passé sous question stand qui gagne qu'a préparation qu'a fait pour carnaval, son première lecture pour gagner ça passé. Deuxième non, pour lié à ça passé, c'est pas petit ville là, concert de cartouches que manifestants policiers ont tiré yo. Ah ben c'est capable avant coup. Ça capte nous si l'autorité va prendre les mesures qu'il faut plus vite pour stopper ce mouvement qui voulait créer syndicat dans la police là. Donc c'est capable moi avant coup de dire ça syndicat ça a manié. Ouais, c'est pas un véritable désordre, c'est pas un véritable écraser toute règle, tout principe en dans la police là. Et qui est capable de venir faire que policiers, police là, viennent perdre tout sens, toute valeur. Donc, on parle de des gens qui ont sale uniforme et qui ne peuvent pas venir servir le pays. J'ai un tatoué. Hein? Donc, c'est un mauvais signal qui est lancé là. Vous comprenez par rapport à ça qui fait que.
parce que normalement, pas qu'être cartouche qui tire et puis ville, yo. M'dapito, ouais, policier, ça y est, moi-même, à tirer cartouche, ça y est, au village de Dieu, qui a libéré mon, yo, kidnappé, qui a l'arrêté, bandit. D'après les policiers, ça y est, montrer détermination, ça y est, sens de courage, ça y est, gravine. M'dapito, ouais, policier, ça y est, n'est-ce pas, à camper. Pour sécuriser le monde qui a sauté la banque, qui a braqué, au lieu que des actes comme ça, qui a causé, ouais, n'est-ce pas? Donc, c'est vraiment un très mauvais signal. Bon. Policiers, ça a lancé. Un très mauvais signal, et M. Madiste, il y a des gens qui allaient jusqu'à et comparer le mouvement qui a fait dans la police là. À mouvement ti soldat te gagné dans l'armée qui t'a pral déboucher sous dissolution l'armée a ou point gen moun qui dit ça qui a passé dans la police là c'est son début et de fin police là. Oui, c'est opinion pas nous tout parce que nous pas prend à la légère du tout ça qui a passé hein. Parce que ça crise, comprenez bien. Au corps armé. Ça caractérise il. Ça fait on croit armé à un gang armé. C'est parce que croit armé, il chita sous des principes que gang armé a pas gagné. Il y a un principe, il y a un croit armé chita sous lui, c'est le principe de la discipline. Qu'est-ce que la discipline veut dire le croit armé? Discipline veut dire que eh bien, policiers, ils sont là pour obéir aux ordres de leurs supérieurs. Et ils sont responsables de l'exécution de missions qu'ils ont confiées. Là, où gagnons un corps de police, et pour garder, ils convoquent une police à l'inspection générale de la police et puis c'est des policiers qui viennent qui tirent sur bâtiment inspection générale la police là qui vandalisent le bâtiment, c'est-à-dire principe discipline ne disparaît. Donc le principe discipline ne disparaît. Imaginez aujourd'hui bon la caille dans la rue où un policier font exact qui font un abus. Et puis, vous avez porté plainte pour lui dans l'inspection générale de la police. Et puis, l'inspection générale a perdu autorité pour convoquer policier ça, pour le sanctionner. À partir de ce moment, vous avez une police encore, non? À partir de ce moment, dans très vite, la police a pris une nouvelle situation côté population en lui-même. J'en vois une manifestation. Craser l'armée à bas nos polices là. C'est ça, la population va le faire tout. C'est-à-dire que c'est une discipline. Respect de la hiérarchie en tant que police là, ou pas de police encore. Même si physiquement, le pouvoir craser, mais le craser déjà. Parce que valeur qui caractérise force de police là, il disparaît. Hein? Donc, à partir de ce moment, si on passe. Stopper terrible ça. Et si des décisions pas prises pour rétablir, n'est-ce pas, le respect de la hiérarchie à l'intérieur de la police, la discipline, la disponibilité, hein, n'est-ce pas, c'est-à-dire que le policier est disponible pour les autorités en tout temps et en tout lieu. Hein, par exemple, un policier a dit, mais ça le voulait faire, mais ça le parlait faire. Sécuriser carnaval, les papes fait ceci, la feste là. Dès que dans une situation ça, la police là, par une discipline, par un respect des principes, des normes qui sont indispensables pour l'existence d'un corps armé, que le corps soit un corps militaire ou policier. Maintenant, distinct. Donc, nous venons aux situations là. Surtout après ça qui passe là, je veux dire là, respect hiérarchique pas existé encore. Kounyan, qui est-ce qui a agi et comment? Pour remettre, en tout cas, permettre que la situation n'est pas empirée. Bon, moi-même, je pense que il y
que plusieurs autorités capables réagir. Alors, je me dis moi-même, là, je vais parler pour nous-mêmes dans la Fondation J'éclaire. Nous-mêmes, nous pensons que, bon, ensemble de revendications que les policiers ont fait, même les nous-mêmes, nous ne sommes pas d'accord fondamentalement pour qu'un syndicat qui fait un désordre en police là, nous pas d'accord du tout, même le tarifin gen syndical, la loi capable de réglementer ça, pour venir gen droit de grève dans la police là. Mais nous dit que déclaration, revendication en pile policier à faire, yo, nous pas capable de passer au sous silence, nous pas capable de cracher sous yo. Parce que en pile là-dedans, yo, c'est déclaration mandée pour nous prenons en compte, que nous prenons en considération. Et nous disons, dans ce sens-là, il n'y a pas un cap privé pour un corps qui peut avoir 25 ans, il est capable de lier à une situation qu'il y a des décisions pour prendre un genre à fonctionner qu'on ne pas prendre ou pas prendre. C'est ça que nous dit, ce qu'on a mérité audité. Il méritait une enquête qui fait en profondeur sur qui la police a fonctionné pour garder qui ça a dit la revendication. Par exemple, dans les gens qui ont été grade, dans les gens qui ont eu des humiliations inutiles, qui ont eu des baltenios, sous question, ils ont dénoncé des faveurs sexuelles que. Ou grade à demander à demander des policières sous question que yo a touché comme sous yo bois assurance mais ou pas joindre des bénéfices par un service véritablement sous question casse des bio que yo gagnait et que c'est comme s'il pas existait sous question que les gagnants yo en détachement ou bien les gagnants des activités dans pour carnaval dans élection, il y a des corps qui ont circulé dans la police là en cache et que supérieur hiérarchique contre plan combio soit ou bah on timonè ou bien pas bah du tout. Question ça yo mérité pour adresser. Et c'est ça que fait nous-mêmes nous recommander que ta seconde commission indépendante qui t'a créé mais avec des personnalités crédibles là. D'abord, évidemment, il faut pas commencer tant de raisons, une fois que la commission s'est formée, pour enquêter sur ensemble bagaille qu'a dit dans la police là, et la commission s'est capable de faire des recommandations pour des mesures qu'il prend pour corriger ce qui mérite corriger et faire en sorte que y ait des problèmes qu'a vivent dans la police là aujourd'hui, qu'ils n'ont pas envie de vivre demain, hein, pour qu'il y ait des solutions durables qui portent à des problèmes. Les policiers ont agressé. Donc, nous pensons que ça, c'est un bagage que c'est CSPN qui est capable de prendre le devant, qui est capable de former une commission comme ça, faire appel à des personnalités crédibles, à monde qui inspire confiance, qui est capable de commission ça. Qui est capable même faire accompagner d'experts étrangers dans question de sécurité publique hein, pour de, vraiment être capable de résoudre une série d'un certain nombre de problèmes en tant que police. Là. Mm-hmm. Je même pensé que le directeur général de la police, il faut lui montrer qu'il est directeur de police quand même. Mm-hmm. Et il n'est pas capable, comme si la chita croisé bois, ben, ça y a fait, et puis il n'est pas chita policier. Yo. Mm-hmm. Il n'y a pas de chita à base là, il est comme s'il ignorait que y a un de groupe qui a passé en tant qu'institution. Tout le monde a démobilisé les polices là, et qui normalement a augmenté la situation d'insécurité qu'il y a là. Parce qu'il y a des mains puissantes, des mains mafieuses qui ont servi des mouvements pour faire l'autre bagaille, ignorant que. Si la police est déstabilisée, eh bien, n'est-ce pas, ça va mettre le pays en problème pour les 25 à 30 prochaines années. Donc, on ne peut pas comprendre, à venir de pays, ça va jouer là, c'est une question de pouvoir actuel ou bien pas pouvoir, c'est une question de qui monde qui n'a peut-être l'État aujourd'hui, c'est une question qui concernait l'avenir du pays. Donc, parce que le directeur
général police là lui-même, faut qu'il vienne des décisions qu'il t'a prend, faut le manifester, faut le faire well. Et troisièmement, parce que moun qui a fait mouvement ça yo, les policiers yo même, faut yo connaître que yo pas indispensable. Une fois qu'il y a des mesures qu'il prend, il faut qu'il soit conscient que il n'y a pas à exiger aux gens d'accepter des bagailles qui sont contraires aux règles, qui sont contraires aux normes, qui sont contraires à la loi, pour autant de raisons, pour suspendre à mouvement ça, pour autant de commissions ça, au travail, pour répondre aux revendications. Et si il n'y a pas fait ça, il faut qu'il connaisse, même dans les pays en guerre, yo konn après 2-3 mois de formation, renforcer les institutions militaires et puis y a de nouveaux agents pour envoyer sur le front. Faut que yo konn yo pas indispensable à la police. Si yo croit que ça a fait yo parce que yo c'est des policiers de la base et que personne pas gain droit yo intouchable, yo trompé yo. Yo trompé yo, faut que yo konn ça. Aucun monde qui dit yo ça, faut autant qu'attend des raisons. Parce qu'on va faire une formation massive des agents de police. On veut un pile jeune qui est conscient, qui veut défendre le pays et qui va faire une formation rapide de 3 mois et qui veut renforcer la police. Mais c'est ça, il faut qu'on compte ça. Au sorti là, revendication policière juste parce que ça fait longtemps surtout nous-mêmes là on a recevoir des messages hein les policiers qui a plein il y a pile frustration dans la police là. Mon sort d'une autre bagarre là qui force c'est que pas qu'à gagner syndicat dans désordre. Donc qui ça la loi dit constitution dit qui ça règlement interne la police là dit qui ça par rapport à question liberté syndicale. Liberté syndicale là, constitution a proclamé le principe du droit à la liberté syndicale. Pas oublier que, à travers le monde, dans tous les textes internationaux sur les droits humains, sur le respect des droits fondamentaux, donc qui parlait de liberté de réunion, parce que c'est déjà, c'est d'abord ça le syndicat, la liberté de réunion, la liberté de négociation collective des travailleurs, c'est d'abord ça. Dans tous les textes internationaux, comprend l'Organisation internationale du travail, comprend la Convention internationale, la Convention interaméricaine des droits de l'homme, comprend le pacte international relatif aux droits civils et politiques, comprend la Convention européenne des droits de l'homme, comprend la Charte sociale européenne, toutes qui traitent et parlent de liberté de réunion et liberté syndicale, ont fait une dérogation sous question liberté syndicale au niveau des forces armées et des forces de police. Et un bon arrêt dans la Cour internationale qui dit que l'État fait pour supposer gagner ce qu'on appelle une marge de manœuvre pour déterminer à quel moment de son histoire, de son évolution, que le capable d'autoriser droit syndical à l'intérieur des forces de police, à l'intérieur des forces armées, il qu'a limité droit ça ou même interdit. Ça privé dans tous les pays du monde, indistinctement. Alors, constitution a proclamé principe là, l'a proclamé un droit pour jouir droit, pour exercer droit, ça dépend de quel régime juridique que droit tombe. En principe, la protection des droits fondamentaux yo tombé dans trois régimes juridiques donnés. En premier régime, qui sont régimes répressifs, ça veut dire liberté ça, que constitution a proclamé, ou qu'a jouir immédiatement. Et si qu'on y a abusé, il y a des sanctions, la loi prévoit pour vous, ou abus de droit pour faire.
Par exemple, la liberté d'expression. Ou ka parler j'en vle. Mais si vous faites abus, vous faites diffamation sur le monde, vous faites injure, vous faites appel à la violence, la loi punit, on les sanctionne, on les dit, loi abusé doit ça. Mais qui sanction vous gagne? Donc, ça, c'est le régime répressif des droits humains. Le régime, ça veut dire, ou libre pour faire son vle, ou jouer droit, pour qu'il y ait une sanction, soit abusé droit. Deuxième régime qui gagne, c'est le régime préventif. Régime préventif, là, vous dit ça. La loi intervenue, le principe est proclamé, mais pour jouer droit, l'administration a des autorisations pour délivrer qui pour permettre de jouer droit ça. Par exemple, la Constitution dit. Tout le monde doit avoir des armes la caillou. Et là, le droit à l'autodéfense armée. Mais qui âme chaque monde gagne la caillou? Qui quantité? Qui type de munitions? Eh bien, il faut une autorisation, une loi qui vient réglementer ça. Qui dit, mais qui âme citoyen ou gagne droit gagner? Mais qui limite ou examen, non? Mais qui type de munitions vous avez gagné, mais qui activité que vous avez fait. Pour qu'on va dans une situation que tout le monde a des armes sans contrôle, tout le monde a des armes sans autorisation, laisse des civils des armes qui sont plus forts que l'État, c'est comme si l'État perdu le monopole de la violence légitime. Donc, la Constitution n'a pas ouvert porte pour des autres comme ça, pour qu'on lui proclame le droit. Mais le droit n'est pas capable d'exécuter ou pas capable de jouir sans loi. Donc ça veut dire. Une loi sur le port et la détention des armes à feu. Donc ça veut dire que c'est que. La Constitution a proclamé, les soumettre à une autorisation, à une réglementation, à une organisation. Et qui est le monde qui peut faire ça? C'est la loi. Donc il faut qu'on ait un effort législatif qui fait là. Par exemple, la loi proclamée, doit proclamer. Mais pour jouir, il faut qu'on côté pour syndicat à l'enregistrer. Il faut que le syndicat ait des limites dans le fonctionnement. Dans les pays côté syndicat organisé, la loi prévoit qu'il le syndicat, il va craser, s'il dépasse les limites, dépasse les bornes, il va dissoudre, il va suspendre le fonctionnement. Il limite les gens qui ont l'agi, les gens qui ont le café, qui ont le pas café. Qui est le monde qui vous dit ça? Loi. Qui pour organiser fonctionnement syndical. Donc, dans le cas de la police, la loi ça n'a pas tout là. Il faut qu'on fasse. Maintenant, troisième régime, c'est le régime de la déclaration. Donc, pour toi, qui doit proclamer, ou qui doit faire une déclaration aux autorités pour jouer. Par exemple, la Constitution doit faire une manifestation sur la voie publique, mais il suffit qu'on annonce la police ça. Donc, le principe de la déclaration. Déclaration, c'est pour autorisation. Mais pour informer les autorités qu'on a besoin de jouer droit ça, tel genre, tel côté. Ouais? Donc, mais qui régime juridique qui gagne. Donc, autrement dit, la liberté syndicale est proclamée par la Constitution. C'est un droit qui est proclamé. Mais la jouissance de ce droit suppose une réglementation. Et celle que vous réglementer, ce n'est pas la loi. Or, dans le règlement police là, c'est la loi des policiers qui monte relation, rapport entre l'État et la police, et chaque grain policier, mon qui pas police, qui pas voulu accepter le règlement, pas policier, avant venir son là et qui l'ont venu dans la police là, règlement ça justement. Pas voulu syndicat dans la police là. Et pas voulu grève du tout. Dans la police là. Mais qui s'accadre légal qui sont en d'ailleurs, si la loi devait mettre, il va devoir faire une manifestation pour modèle. Vous comprenez? Il va faire ça la loi d'IA. Vous comprenez? Il va dire, mais vous faites un syndicat dans la police, mais qui sont besoin, mais qui sont besoin, vous faites. Mais vous voyez? Il va faire une manifestation, il va faire. Donc le cadre légal aujourd'hui, ça va permettre qu'il y ait un syndicat à l'intérieur de la police. Oui. Donc, par rapport à tout ça, et vous montrez là qu'il y a un cadre légal qui pas existé. Donc, il faut que tu aies un effort législatif et réglementaire qui peut être fait là pour favoriser
exercice des droits fondamentaux, ça y est, que la Constitution elle-même les garantit. Et d'abord, il y a un cadre réglementaire avec le règlement de la police. La police, qui est dit lui-même. On y a, si l'État estime que le nécessaire pour exercice doit être fait, et puis il dit, mais dans quelles conditions vous voulez faire, la pour une loi pour ça. Et à partir de loi ça, tout le monde est capable, qui voulait, faire syndicat, est capable, faire syndicat, et puis est capable de conformer à la limite que la loi baille, tout syndicat, et il connaît, les gens pas conformé à la limite, le syndicat est rasé, légalement. Vous comprenez? Eh bien, d'accord. Merci un peu, le maître Madistin. On t'est content par la con. Oui. Oui, merci un peu, hein, maître Samuel Madistin, qui était direct avec nous, pour te dire nous qui ça, la loi dit dans un cas liberté syndicale et qui également te bail position, fondation J'éclairé sous incident ça qui arrivait hier dans Port-au-Prince, côté gagné, en tout cas, un pile cartouche qui tirait non devant direction générale la police là gagné un pile stand qui boulait sous chaud mars là Pierre-Onel Bacon sous gagné de l'autre réaction pour qu'on dalle parler avec maître Kebro Zamor qui c'est ancien commissaire au gouvernement probablement qui gagné un mot pour dire dans contexte ça. Oui, n'a pas continué à réfléchir, guerrier, dans l'occasion, journée mondiale, action en faveur, droit, grève, sous, situation ça, qui prend une forme très violente, en l'occurrence, ça qui passait hier, devant DG, police nationale, à Pétionville, mais tout sous champ de masse côté, guerrier, plusieurs stands qui boulaient, policiers, dans le processus pour arriver à création, y'a un syndicat qui pral, permettre, yo, capable de défendre droit, yo, lancer grève, là, c'est nécessaire, et c'est capacité, et ça qui semblait faire peur à haut état-major police nationale là, maître Maniekel Régulus, jeune juriste, dirigeant organisation Douamoun avec nous en studio pour continuer et garder et situation ça à la lumière de constitution et de loi et pays bataille ça qui est engagé dans police nationale là pour police ça capable briver créer propre syndical. Maître Régulus, bonjour. Bonjour et à toutes les auditrices, tous les auditeurs, tout le monde qui branche et journal et matin et n'a salué tout le monde qui branche nous dans pays en tant que l'autre bord de l'eau, mais j'en ou toujours connaît le Pierre, c'est comme si son prière, c'est impossible pour moi pour me prendre la parole pour me pas saluer donc département nord-est particulièrement Wanamet et mon capitaine de nous donc dans toutes cinq sections communales Wanamet yo dans toute habitation yo habitation Mana Colana Alberto GDP la Matrie la Fleur Goulin etc. Donc, son plaisir pour là avec vous et ceci, donc, me passer, donc, nous pas parler. Ouais, pour qui ça, travailleur, employé, dans fonction publique là, agent dans fonction publique là, obligé regrouper en syndicat? Me passer ça, son droit. Son droit et constitution lui-même, elle est garantie et pour quel que soit monde qui travaille, dans le secteur privé et en cours public, pour yo capable regrouper yo et en syndicat pour défendre intérêt uniquement intérêt et qui gain rapport avec et travail donc yo là dedans et qui pas aller vers l'autre intérêt et c'est ça qui fait pour la loi il dit que donc question syndicale est apolitique parce que quel que soit côté syndicat li formé quel que soit institution privée ta publique donc syndicat li doit rester non et comment dirais-je en logique pour défendre et droit et li gagner et pendant li a exécuté travail ça par rapport et alors droit et sous question de conditions et la travail et sous façon donc yo traité li sous et façon donc yo payé li bref donc syndical est important et déjà li garantit non seulement par constitution mais par différentes conventions tout côté donc moun kap travail yo gen droit pour yo syndiqué yo et réuni yo associé yo pour yo à défendre un droit yo même là. Et par exemple, si nous parlons rentrer dans le secteur privé, donc code du travail,
li gen des catégories donc li di ki et bon là qui capable toujours faire syndicat mais pour question des grèves là on peut arriver là dans et à l'heure passé donc m'a dit l'autre bagaille sur li et comme je dis c'est journée donc et mondial donc en faveur donc droit de la grève. Ouais mais c'est pas toutes les fois les syndicats arrivé résoudre ou aider à résoudre problème employé qu'on ouais malgré syndicat yo mon employé toujours gagné même problème yo et moi patron yo tout yo gagne en façon habile tout pour détourner syndicat yo et ou qu'on ouais gagne des syndicats qui prend des positions en faveur patron yo effectivement et en pile fois et syndicat yo yo pas toujours donc défendre et moun et yo ap défendre en pile fois et c'est ça qui fait nous capable de dire en pile fois donc les syndicats ont monté c'est comme si donc quelque chose dit à monter sous nom donc des employés et puis c'est sous nom patron en li descend et parce que patron yo qu'on gagne des moyens yo utilisé pour yo soudoyer et de syndicalistes qui permettent que ou joindre des syndicats en réalité c'est pas des employés au défendre mais ça c'est des cas particuliers ça pas veut dire que nous dit que syndicat yo pas défendre et droit et employé doit monde donc et cap travail donc en nous venir qu'il y a à revendication policier yo pour créer propre syndicat yo qui ça la loi dit sous ça nous entendez mettre Samuel Madistin et qui dit bon selon texte qui en vigueur yo donc pas vraiment gagné et en cadre légal hein, pour policier ta capable de créer propre syndicat yo, mais policier yo, yo même c'est dans la loi yo rete pour dire constitution bay yo droit pour faire ça donc gagné en confusion là et mettre Régulus donc nous connaît que droit lié élastique et, donc ou même en position comme juriste et comment ou comprendre et revendication policier aujourd'hui pour que yo créer syndicat dans la police là bon comment comprendre revendication c'est que revendication yo juste yo juste parce que il y a yo gon revendication pour dire écoutez yo besoin de meilleures conditions de travail et revendication pour dire écoutez et yo pas payé yo donc revendication yo juste mais j'aime toujours dire question ça et moi un peu le monde donc aborder de façon oui et toujours dit et à chaque fois n'a pas abordé question qui a rapport ensemble avec le mouvement ça pour créer syndicat dans PNH là faut au moins nous garder là sous deux angles d'abord faut que nous garder sur le plan du droit qui ça policier ça au gain en main yo et comme outil légal qui dit bon yo capable et syndiquer et puis faut au moins nous garder question des syndicats dans la police dans tout sur le plan sociologique par rapport à configuration société et histoire syndicale dans pays d'Haïti donc sur le plan du droit nous gagnons et chaque fondamental en pays, en moment loi pays, qui c'est constitution, dans article 35.3 li, qui garantit un droit. Droit à tout le monde qui travaille dans le secteur privé et public pour yo même yo capable de faire partie de yon syndicat pour yo capable de défendre intérêt et qui a rapport, donc ensemble avec un travail. Yo. Et Jean, mettre ma distinction dit là tout et constitution li baye les directives et li pose les principes fondamentaux et à chaque fois il y a des principes qui posé et dans constitution et le droit qui te garanti dans constitution donc ou pas te joindre ou te déjà donc à appliquer li ou pas joindre de monde qui commencer à jouer li donc quelque part pour arriver pour jouer li faut gagner alors ce thème ça peut être maintenant distinct et ta capable utiliser faut gagner donc en du droit d'application et sous et droit ça pour dire écoutez nous avons joué li et mais comment donc nous devons jouer et tel droit et puis gagner tout et faut que nous garder au-delà des policiers yo,
qui yo même a gagné constitution donc yo dit écoutez c'est lui qui garantit yo et effectivement dans article 35.3 donc il garantit yo droit et pour yo syndiqué mais ou gardez tout et recommandement et PNH là lui-même tout il a parlé des pactes donc international et sous pas regarder et convention interaméricaine et droit monde Haïti droit monde gain pacte international là relatif donc et alors sur et les droits civils et politiques tout qui fait une sorte d'ouverture qui baille et l'état donc il y a possibilité pour lui-même les capables de gagner des dispositions spéciales et par rapport à des forces et les forces armées pour question des bagages police là tout est-ce qu'on comprend donc il y a capable de rester dans logique tout pour respecter ça parce que il y a aussi elle tout et j'aime ta pour un inspecteur autre jour donc qui t'a parlé sous question ça dans inspection générale moi t'as suivi lui qui t'a dit bon écoutez haïtien effectivement oui haïtien et comme en matière des droits de l'homme gros principe qui est très important et déjà son principe de pouvoir parler des accords parler des traités parler des conventions donc là où on rentre pur donc en droit des traités et gros principe donc qui garantit donc dans article 26 en convention de Vienne sur le droit des traités qui c'est et pacta sunt servanda donc dès que donc aussi y a un bagage donc ou obligé et esclavli et sous pral garder donc dans article 27 même convention ça convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités il dit donc qu'un pays pas capable prendre prétexte donc et disposition légale interne et loi interne donc pour les mêmes les pas appliqués donc ou bien et les pas appliqués donc ça donc les tessiens donc et là encore même pas avancer là pour me tourner exactement sous question des syndicats donc et la police là j'aime ce deal alors au début faut au moins nous garder là sous deux angles déjà sur le plan légal nous sommes gardés les policiers yo gagné constitution donc qui garantit yo ça et le et ou gen la loi qui garantit donc yon bagay donc c'est vrai constitution donc c'est les grandes bases et principes général yo donc li même li évoqué et ou joine donc des policiers des qui moun qui concerné yo même yo a fait manifestation pour ça pour permettre yo garantir yo droit ça ou pas capable ignorer yo Pierronel parce que même si bon on peut aller plus loin même si la loi même si constitution même si pas aucune disposition légale qui te garantit tel groupe moun yon droit yo capable à un certain moment à un moment donné yo uni yo ensemble yo di yo besoin tel droit et là yo di yo besoin tel droit si toutefois société a accompagné yon dans ça ou pas pral chita pour dire écoutez donc nous pas ba ou droit ça non parce que Jean Montesquieu dit ou les droits dérivent de la nature des choses c'est en fonction des fonctionnements société à de qui sa société a vle donc nous pral et nous même donc venir avec des dispositions légales parce que loi c'est pas des moun vote qui dit nous venir avec loi c'est en fonction des problèmes qui gen dans société hein? Donc et à partir des problèmes ça yo donc yo fait des lois donc ça veut dire même s'il pas ta gagné quelle disposition légale qui t'a accordé ou ça le fait que donc et des groupes de policiers yo prend la rue hein? Donc l'important pour garder question ça avec yo garder comment yo capable résoudre li mais sur le plan sociologique par rapport à configuration société à j'aime se dire hein, et histoire syndicat en Haïti en grande partie donc c'est des bagages qui laissé yo politiser et yon syndicat en dedans PNH là déjà c'est des bons droits la loi garantit yo ça donc constitution imposé base là même si gagner des lois qui dit mais tel bagage yo ka choisi yo dit écoutez loi yo pas statique loi yo évolue avec le temps bon même s'il ta gagne des lois spéciales donc sous article 35.3 qui déjà garantit yo donc doit pour faire syndicat gagne des lois spéciales donc qui en dedans avait dit qui créer PNH qui t'a dit écoutez bon yo pas gagne droit ça ou ka joindre gon un moment qui rivé yo dit mais écoutez nous pas d'accord bagay ça et le fait que yo pas d'accord bagay ça et société yon ta dit bon nous pas d'accord bagay ça donc pas gen yo pas rester statique pour dire écoutez loi ça dit va capable changer il capable changer mais qu'on y est là et ça me prend exemple ça son façon pour montrer même s'il pas ta gen rien qu'une disposition légale oui
depuis un groupe citoyen dans un domaine quelconque réuni, yo dit écoutez donc nous réclamons tel droit, donc ou pas gagner pour ignorer yo ou gagner pour chita ensemble avec yo pour au moins donc nous garder question ensemble, expliquer yo donc fragilité question an, et ensemble donc en traiter. Mais si et j'aime sauter râler donc et pour me dire donc sur le plan sociologique par rapport à configuration société an, et par rapport à façon donc à syndicat toujours dans pays an, en pile fois donc ou des syndicats qui a défendre des bagages qui pas un rapport ensemble avec donc et terrain donc et travail et vous comprenez donc et qui en plus fois donc laisser yo politiser donc on demande est-ce que donc un syndicat en dedans PNH tantôt à un certain moment qui t'a laissé le politiser et pas pral nous laguer nous non période côté et bagaille yo capable en compliqué yo capable chavirer dans main nous et parce que là et ouais donc finalement et j'aime tabzoli la compliqué les compliqués parce que quand il va pas oublier toutes forces armées question des polices question des l'armée yon nan bagay ki rigil ki fait force c'est la hiérarchie respect de la hiérarchie mais quand il y a là si nous quitter bagay ça pour aller là nous pas chita ensemble avec eux pour nous traiter le question nous pour apprendre bien donc on va le garder puis devant n'importe monde inspection générale relé et puis deux trois monde camper tout et puis finalement hiérarchie écrasé et depuis hiérarchie écrasé dans institution ça yo pas existé encore en pile réaction et auditeur yo tout yo écrit même si policier yo ta gain droit faire syndicat mais fort que yo tente pour fort que c'est tente pour yo tente 51e législature en place pour abroger loi PNH là qui dit yo pas gain droit faire syndicat donc c'est une loi qui a bougé yon l'autre loi en pile question merci beaucoup et Manikel Régulus pour contribution dans débat ça pour nous analyser revendication policier yo avio yo partager guerrier et nous pral parler quoi là merci beaucoup et Régulus nous pral parler quoi là avec maître Kebo Kebo Zamor qui c'est ancien commissaire gouvernement dans la ville Tigouave oui maître Kebo Zamor bonjour. Bonjour Guerrier, bonjour Pierre René, bonjour tout auditeur du Prix Captain de Radio Caraïbes. Bien content de vous retrouver sous Grand Boulevard. Oui, donc on a fait un débat matin là sur l'incident qui passait hier là et question droit syndical là. Au même ou bien qui ça comme argument pour ou contre question ça. Oui, je vais commencer d'abord par saluer tout le monde qui voit, qui a écouté un peu partout. Et puis, on l'a précisé, moi, encore commissaire du gouvernement à la Cour d'appel. Moi, j'étais ex-commissaire du gouvernement à Petit Gouave entre 2004 et 2010, mais depuis 2010, je suis à la Cour d'appel. Malheureusement, nous n'avons pas été capables de dire tout ça nous a fait comme engagement dans le travail, nous, par rapport à la situation au niveau du centenaire. Bon. Et moi, je voulais dire que ça a passé là, j'entendais plusieurs intervenants. Je voulais signaler à l'attention de tout le monde son bagage qui est très, 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 très grave. C'est très, très grave, ça a passé là. Et je pensais que ça qui motivait que mon intervenu matin, c'est parce que moi, j'ai une tendance pour nous banaliser ça qui est passé là, comme un fait divers, ou un bagage qui n'a pas trop de valeur. Et c'est fondement société là, qui est menacé. Parce que la police, c'est une dernière institution rempart qui l'a au moins pour mettre l'ordre et par rapport à la justice qui doit lui-même la réglementer en ensemble de la gaille. Donc, moi, je crois que y a un débat qui a fait sur possibilité ou droit de syndicat que policier gagne ou pas. Et moi, je voulais éviter le débat ça pour l'instant. Parce qu'il est évident que la Constitution 1 lui permet que